Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 17e, les versets 11b à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sacrifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Très chers amis, Dieu, dimanche chez vous, ce week-end se révèle particulier. Selon que nous venons de célébrer l'Ascension ce jeudi, dans les pays où ce jour est férié, mais aussi que ce même dimanche se veut être de l'Ascension dans les pays où la possibilité n'avait pas été donnée jeudi de célébrer cette fête magnifique et pleine de sens pour nous chrétiens. Comme d'accoutumé, quatre textes nous seront donnés en méditation. Aussi bien la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les versets 15 à 17, plus le verset 20 et le verset 20c jusqu'au verset 26e. Nous aurons le psaume tiré du 102e chant et la deuxième lecture tirée de la première lettre de saint Jean au chapitre 4e, les versets 11 à 16. L'évangile nous est tiré de la péricope joannique au chapitre 17e, les versets 11b à 19. Qu'est-ce à retenir pour la petite catéchèse de la première lecture? Il faut signaler de prime abord que c'est un texte entrecoupé dans lequel on trouve dès le départ une expression qui revient dans l'évangile en ces jours-là. Aussi bien chez Luc que chez saint Jean, la temporalité est de mise en ces jours-là.
Et Jean prendra une autre expression à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. C'est ainsi dire que cette heure, cette expression forte de ces jours-là, de cet instant, dit la gravité du moment, la Pâque même, l'expression de la Pâque. Et en cet instant que fait Pierre, celui sur qui repose cette église en fondation, eh ben, il prend une position autoritaire, une opposition qu'on peut se dire être des origines. Nous rappelons que dès les origines, le double commandement est donné, multipliez-vous, soyez féconds, dominez la terre. Et Pierre se lève, position de domination, position dominante, qui nous donne donc, disais-je, de revenir dans les origines, au début du monde, de la création du monde, au début de la création de l'Église. En tout début, il faut être courageux, il faut apprendre à oser commencer. Il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Il faut oser, quitte à l'esprit, de se saisir de nous. Position d'autorité, disais-je, mais aussi position de missionnaire. Saint Paul plus tard reviendra sur l'expression sur laquelle la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et l'évangile est clair. Nous sommes envoyés. Lui qui reviendra dans les actes des apôtres, ils sont envoyés de par le monde. Il faut être debout pour partir et non pas être amorphe ni affalé. C'est aussi la position du Christ et Jésus lui-même. Une présence immanente, présence absente. Il est là sans être là. Bien que nous célébrons la période de l'ascension, le Christ est élevé dans les cieux. Il demeure au milieu de nous, car il dira, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Pierre prend cette position du Christ Jésus, convaincu au milieu de ses 20 disciples, sinon tous ces 20 qui les suivent, sont 20 qui les suivent, il prend position, la position du Christ qui prêche, la position du Christ qui parle. Il y a lieu, partant de ce texte, de se poser la question, de savoir, que dis-tu lorsque tu prends la parole au milieu de tes frères? Quelle parole sors-tu? Pierre, a pris cette parole prophétique. Consoler, consoler mon peuple, aura été dit déjà dans le désert, recommandation divine. Consoler mon peuple par-delà tout ce que le peuple aura à vivre. Nous, témoins de la grandeur de Dieu, de Tamalek, nous sommes appelés à consoler, nous sommes appelés à prendre une position, une parole qui puisse requinquer nos frères, nos sœurs, qui puisse leur redonner courage. Pierre rend compréhensible ce qui, à cet instant, demeurait caché. Et bien quoi? Le mouvement de Judas. Oui, il fait évocation de Judas, non pas en termes de condamnation. Il ne le condamne pas. Mais grâce à l'esprit, Pierre parvient à comprendre que Judas a agi l'accomplissement pour que s'accomplissent les Écritures. Il ne veut pas le dédouaner de son acte, mais il ne va pas dans les futilités. C'est ainsi dire que chacun et tous seront appelés à répondre au tribunal de la raison. Chacun et tous seront appelés à répondre au tribunal de nos actes devant Dieu. Nul n'est besoin à qui que ce soit de vouloir condamner l'un ou l'autre. Mais là aussi, l'évocation de Judas par Pierre, dès les débuts, vise à nous donner de comprendre que nul n'est irremplaçable, nul n'est indispensable. Ils étaient là nombreux, et déjà c'était écrit dans les psaumes, si l'un d'eux se devra d'être remplacé, nous sommes remplaçables. Mais tant que nous sommes là, nous sommes utiles et faisons bien ce que nous avons à faire pour que nous n'ayons pas à le regretter à long terme. Si je savais ça, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. L'ascension chez Luc, dans les actes des apôtres, se révèle être un moment
magnifique où le Christ est à la limite, tout comme un peu à la sanction, est assumé en Dieu. C'est une force extérieure ou alors intérieure à lui qui l'emporte, qui l'élève, qui lui donne de s'élever. Il dit, il fut emporté, il fut élevé. Et ça, nous le redécouvrons dans le psaume de ce jour qui est réparti en trois strophes selon qu'il y a dans un premier temps ce triple appel à bénir le ciel, à bénir Dieu. Et ensuite, dans la deuxième strophe, il y a révélation du fait que ce qui apparaît très distant ou distant pour nous les hommes, ne l'est aucunement pour Dieu, pour la simple raison que l'amour prime. Et dans la troisième strophe, on révèle le pourquoi de l'ascension. Mais c'est le pourquoi, il est triple là aussi. Primons, le Christ s'élève pour reprendre possession de son trône. Secondo, il donne une extension de sa royauté dans l'histoire ou dans l'univers, que cette royauté s'étend de partout. Et en plus, ensuite, en un troisième lieu, il implique l'homme, il implique la création, il implique la créature. Dans la deuxième lecture de ce jour, nous parlons de la continuation ou de la continuité du chant de la charité, du chant d'amour qui se déferle 8 fois de suite. Le mot « aimer » nous revient et 3 fois le « demeurer » revient. C'est dire quoi? C'est dire que c'est un devoir chrétien que d'aimer. C'est dire quoi? C'est dire que le but, ce n'est pas de voir Dieu, mais plutôt le but, c'est que de par nos actions, de par nos actes, que nous puissions rendre visible, nous puissions rendre connaissable Dieu. L'amour mutuel donc que Saint Jean dans la deuxième lecture est en train d'évoquer se révèle être une certaine manière pour Dieu de rendre la perfection, rendre à perfection son image de par le monde. Si nous nous aimons, alors nous rendons connaissable Dieu au milieu de nos frères. Très chers internautes, très chers amis, en ces jours où le Christ s'élève au milieu de nos frères, au milieu de nous, nous sommes appelés à vivre le Sum Sum Corda. Nous sommes appelés à nous élever nous aussi avec Christ et Jésus. C'est ainsi que l'expression est donnée en cet instant, en cette heure où il passe. Il évoque dans l'évangile de ce jour 10 fois de suite le concept monde. Monde, c'est l'harmonie. De par les départs ou de par son étymologie, c'est l'harmonie. Nous ne sommes pas membres de cette harmonie-là, nous sommes extérieurs à cette harmonie. Pourtant, nous sommes appelés à faire en sorte que cette harmonie soit de taille, appelés à faire en sorte que la vie soit vivable. C'est ainsi que, tout en étant chrétien, laïque, nous sommes appelés à rendre ce monde magnifique. Le Christ prie. Il élève ses yeux vers le ciel et il prie. Quelle est la place de la prière dans ta vie? Quelle est la place de l'Esprit Saint dans ta vie? Il y a plusieurs types de prières. Il y a malheureusement la prière motivée. Il y a malheureusement ces prières avec intérêt et la prière inspirée. Si tant est que nos prières se doivent d'être juste motivées, eh bien ces prières-là ne sont pas inspirées et ne donneront pas le flux qu'on aurait voulu. Il faut demander à temps et à contre-temps, surtout en ces jours où nous entrons dans l'invocation universelle au Saint-Esprit, que l'Esprit nous habite au quotidien, que l'Esprit nous guide, que l'Esprit nous accompagne, que l'Esprit nous apprenne à prier. Il y a une mention anonymée de Judas. Jésus préfère parler en termes de celui qui a trahi là aussi, tout comme il en sera de Pierre. Jésus ne condamne pas. Jésus ne condamne pas. Il dit, celui qui est allé lui-même, c'est actif. Il n'a pas été motivé par qui que ce soit, mais lui-même. Nous prenons parfois délibérément le chemin du péché. Nous prenons parfois délibérément le chemin de la trahison.
Mais il est grand temps que nous nous élevions. Il est grand temps que nous sortions des chemins battus de la trahison. C'est ainsi qu'en ces jours, nous devons voir en l'ascension du Seigneur une mission qui nous est donnée. Et pour revenir au mot du son chancelier de l'archidiocèse de Brazzaville, en la célébration de l'ascension, qui nous rappelait qu'une église qui n'a que les yeux tournés vers le ciel et qui fait fi des réalités d'en bas, qui fait fi des souffrances, des douleurs dans lesquelles baigne le peuple, est une église à ne pas citer. Alors, mon frère, ma soeur, en ce dimanche, pose-toi la question. Quelle est la prière qui se dégage de toi? Est-ce une prière qui tient compte de la réalité autour de toi ou une prière brillante, une prière comme ça qui va, qui va, qui va? Que le Seigneur donc nous aide à tenir compte de la réalité quotidienne pour sauver nos frères. Bon dimanche, c'est vous.